ça peut aller très très vite. Et moi, j'aimerais vraiment qu'une autre fille buzz ce soir. Allez, les filles, bonne chance. Ça va être, à mon avis, un combat au sommet. On commence avec les rouleaux diaboliques. Et pour l'instant, le rouleau passe pour les deux. Ça passe très bien. Légère avance pour Justine. Égalité maintenant. Égalité, hop là. Alors là, on voit vraiment deux championnes. Cady rate le passe-muraille, mais ça passe pour Justine en revanche. Alors à présent, c'est les 3m30, le terrible saut du plongeoir. Ouh là là, l'atterrissage pour Justine dans la piscine était un peu difficile. Oui. Alors, Cady s'est passé, maintenant le plongeoir. Elle n'a pas réussi à s'agripper, mais elle était allée assez loin, hein. Elle s'était bien projetée. Oui, c'est bon. Justine, ça le fait parfait. Allez, Cady. Oula. Justine a passé le plongeoir, elle peut continuer sur le triple saut. Il faut donc tester ses élastiques. Le premier, c'est bon. Le deuxième. Voilà, ça passe. C'est bon pour Justine, qui arrive aux champignons, tandis que Cady, elle est toujours au plongeoir. C'est une sportive. De son côté, Justine s'élance déjà sur les champignons. Elle est prof de PS et à mon avis, au collège, lundi, à mon avis, c'est l'héroïne du collège. Oui, Cady! Vas-y, Cady, tu peux le faire. Donne tout. Bravo, les filles en veulent ce soir. Ça, c'est bien. Là, je pense que Justine va aller au bout. Mais je rappelle qu'il faut atteindre le buzzer en moins de 4 minutes pour être qualifié. Le chrono tourne. Et plus qu'un champignon pour Justine. Une fille va buzzer à nouveau ce soir, oui! Ouais.